Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Unity. Et on continue notre suite de missions secondaires. Nous avons tout ce qu'est faire l'une à la suite des autres. Et nous avons cette fois-ci nous attaquer à la mission Vice-et-Vert, récupérer les vers satiriques d'André. Vous là, êtes-vous la muse qui répond à mon appel? À la complainte d'un poète qui ne vise qu'à défendre l'honneur de la France? Essayez donc de prononcer le nom de Jacques-Louis David. Sans vous étrangler. Eh bien, j'ai écrit une série de satires décrivant la vie de ce méprisable propagandiste. Hélas, les derniers vers sont restés sous clé à mon domicile. Si vous pouviez me les rapporter, le peuple de France apprendrait la vérité sur David et ses affabulations. D'accord. Et ma réputation serait à jamais assurée. Allez. Bon. Aidez un poète. Pourquoi pas, hein, ça change d'ordinaire. Par contre... Quel... Vous y croyez que vous pouvez plus bouger? Dans la fumée ou quoi? Bon, au moins tout le monde est mort. On peut plus mal. Ça nous facilite le travail pour la suite. Bon, un écrit par étage, bien évidemment. Moi, je préfère commencer par le haut. Le jeu de paume. L'avantage du fumigène, c'est ça. Vous les balancez, vous pouvez après facilement. Allez, c'est comme ça, pas drôle, hein. 5 personnes s'en rendent compte. Donc, faut savoir que toutes ces missions secondaires, bon, je vous conseille de les faire le plus rapidement possible. Certaines sont quand même assez compliquées du fait de votre niveau en début de partie. Mais faites-les le plus rapidement possible, ça vous rapportera surtout de. Des francs et ça vous aidera en fait à acheter ce que vous avez besoin d'acheter. Mes vers, bravo mon ami, bravo. Maintenant tous les Français vont découvrir la fin du jeu de paume et voir au grand jour les vraies nuances de Jacques-Louis David. Ah, ils riront à en perdre la tête, je vous l'assure. Oh, je te crois. Mais ça m'intéresse pas. Ouais, je vais pas le lire parce que si je commence à lire tous les documents, ça sortira jamais en fait. Et en même temps, certes, c'est un walkthrough, walkthrough pré-fou. Il faut quand même pas que je vous donne tout. Là, je dois faire 3 triples assassinats.
quartier. Ils volent, ils se battent, ils boivent, ils écoulent de la fausse monnaie. Ils mettent la main sur tout ce qui leur plaît. Ah mais qui est-ce qui me tire dessus depuis tout à l'heure? Ouais, il me fait encore. Ah d'accord. Je tape dans le vide. Je trouve ça anormal, mais bon, si. Lui aurait déjà dû mourir depuis tout à l'heure. Voilà, encore une fois. Eh, encore une fois. Mon personnage préfère esquiver plutôt. Que contrer. Et quand il n'y a plus que sur vous, normalement il tire pas. Il tire. Voilà. Aucun indicateur qui dit qu'il va tirer, ou autre, mais il tire. Ah, tu es là. Ou je me trompe, ou j'ai mal vu, ça arrive aussi. Mais c'est le cas que j'ai mal vu. Je m'en excuse, par contre, si j'ai raison, c'est sûr, c'est normal que je m'énerve un peu. Bon, on va liquider le dernier, parce que c'est pas que j'en ai marre, mais un peu. Ne laisse pas ces personnes! Eh ben l'ours, le serpent et je sais piquer votre bestiole sont mortes. Voilà. T'as fait du bien. Bien ça se finit. Bon après ouais, j'y vais aussi à la bourrin, c'est sûr que ça passe moins, mais bon. Je peux me permettre mon équipement, j'ai aussi mon argent. Tortue, ours, serpent. Tortue, ours, serpent. Le serpent, je dirais que c'était ça qui était en tête de grenadier. Enfin, qui était habillé comme un grenadier. L'ours, ben, ceux avec la hache. Et le serpent, je dirais que c'est celui avec qui avait la lance. La tortue, je veux dire. Tortue, lance, serpent, le grenadier, ours. La personne avec la hache. Ça me paraît plus logique, hein, honnêtement.
des associations de noms et de surnoms avec de catégories de soldats avec d'autres types de soldats, donc honnêtement on s'en fiche. Là je me suis planté. Ouais. Donc normalement c'est la dernière mission de des invalides, je vérifie. Ouais, dernière mission des invalides. Et après il nous restera deux secteurs encore à faire pour une mission secondaire et après on pourra s'attaquer à Nostradamus. Mais ça sera pour ma part une autre fois parce que ça sera déjà assez. Que se passe-t-il, monsieur? Toi et moi, nous aimons bousculer l'ordre établi, non? Je m'appelle Cartouche. Ce nom t'évoque quelque chose? Oui, en effet. Cartouche était un héros du peuple, un amoureux de la liberté et un voleur. Ainsi qu'un assassin. Mais il est mort il y a longtemps, battu à mort par les hommes du roi. Alors pardonne mon scepticisme. Ta prudence t'honore, mais j'en ai la preuve. Sauf que mes mémoires ont été volées par les Templiers. On ne peut pas laisser les secrets des assassins tomber entre leurs mains. Je vais leur reprendre ce texte, citoyen. Ne serait-ce que pour connaître la fin de cette histoire à dormir debout. Cartouche. Alors, bon, on a deux gueux à récupérer. Globalement, c'est souvent ça en fait. Les missions difficiles, c'est plutôt des missions où... À part au niveau ennemi qui est un peu... qui est... voilà, qui correspond au niveau des missions. C'est surtout que l'ennemi... Il faut aller à plusieurs endroits pour tout faire. Mon père était un excellent arracheur de dents. Il m'a tout appris. Ouais. Un beau parleur, un beau menteur. Ça marche aussi. Hein. Depuis que j'ai découvert ça, c'est trop bien. Vous avez suivi cette direction. Regardez. Vous avez vu? Le mec, j'utilise un peu un bug. Enfin, pas un bug, j'utilise juste que l'IA est totalement débile. Ça n'a pas été prévu. En fait, l'ennemi, une fois perdre votre vision, vous pouvez assassiner. La manière dont je me suis mis sur le mur, en fait, ça me permet de... Je tue un ennemi, je le tue. Et les ennemis vont me détecter, vont s'arrêter avant de revenir vers moi. Puis ils vont disparaître tout après. Donc les ennemis vont de nouveau se arrêter et vont essayer de revenir me chercher. Puis après, voilà. Vous pouvez facilement assassiner 20 personnes comme ça et... Mais heureusement, il y a quelqu'un derrière moi, ce qui m'a mis mon petit peu en l'air, mais globalement, ça marcherait bien. Daniel, un plaisir, comme toujours. Je sais pas par contre pourquoi c'est trop, il faut être plus pour monde.
plus personne ne me voit, d'accord. Ah, c'est de n'importe quoi quand même. En cas de conflit à proximité. En fait, faut attendre qu'ils arrêtent de me chercher. Et voilà, la mission est déjà terminée. Enfin. Oh, c'est bon, lire. Trop long. Si vous voulez tout savoir, vous achèterez le jeu parce que là. Trop de contenu à filmer. C'est exactement le même souci que quand je filme Mass Effect, c'est deux jeux qui ont un univers et un développement à côté tellement riche que pour vous montrer en fait toutes les données à côté, je pourrais facilement faire 3-4 vidéos en fait. Juste, je suis certain que je peux faire une ou deux vidéos d'une heure chacune, voire même plus, juste pour vous présenter toutes les entrées de personnages, pour montrer toutes les entrées de lieux, etc. Parce qu'il y a tellement de textes à lire que c'est ça devient à considérer. Bon, c'est fait que c'est exactement pareil pour information. Mes mémoires, oui, oui, donne-les-moi. À vrai dire, ce ne sont pas vraiment les miennes. Le vrai cartouche, Louis Dominique, a survécu à son exécution avant de devenir un assassin, comme c'est écrit dans ses lignes. Avant sa mort, il a remis ceci à mon prédécesseur, qui a lui aussi pris le nom de Cartouche. J'ai poursuivi l'œuvre de ces hommes. J'ai volé aux riches pour donner aux pauvres. Et je n'ai pas ménagé mes efforts. Mais aujourd'hui, je suis un vieillard. Le temps m'a pris mes forces. Et je cherche quelqu'un à qui transmettre le flambeau. Un nouveau Cartouche pour un nouveau siècle. Je vois. Et suis-je l'heureux héritier? Tu ferais un bon candidat, c'est certain. Je vais suivre tes progrès, et je prendrai ma décision le jour venu. Voilà. Cartouche. Et maintenant, il est temps de s'attaquer. Bon, on a déjà fait toutes les missions de ces deux détecteurs-là. On va s'attaquer à cette mission-là. Par contre, on peut se téléporter, oui, ici, en plus, parfait. On a quasiment fait toutes les missions de tous les secteurs. Je pense qu'il y aura, comme pour les enquêtes, une troisième vidéo pour vous mettre toutes les enquêtes. Enfin, là, toutes les missions secondaires. Parce qu'il en reste une dizaine. Et étant donné qu'on débloque certaines nouvelles missions en réalisant d'anciennes. Voilà quoi. Donc là on va aller à l'Observatoire de Paris. Pour cette nouvelle mission. Qui est à ma foi vraiment simple. Enfin. Le lieu observatoire est vraiment simple. Je suis déjà allé en exploration. Après, reste encore à voir la mission qui va avec. Marche des femmes, déjà fait 3 fois. Voilà qui est ennuyeux, fort ennuyeux. Je ne peux pas me résoudre à partir. Je suis le comte de Cassini. Il y a quelques mois encore, c'est moi qui dirigeais l'Observatoire de Paris. L'Assemblée nationale se mêle vraiment de tout. Nous devons fuir en province. Mais j'ai été assez stupide pour laisser certaines de mes observations célestes à l'Observatoire. Ce serait tellement bon de votre part d'aller les chercher. Un homme bien étrange. Voilà. Donc, pour y aller. Non, il est là-bas. Alors. Passage des souterrains pour l'observatoire. Si je...
Voilà. On tente ce masque vous permet directement d'arriver dans l'observatoire en passant par en dessous. Maintenant vous trouverez des cocardes. Vous y aurez des cocardes artefactés à l'observatoire de Paris. Bon, ça vous verrez de vous-même quand vous chercherez. Bah encore une fois, j'ai tué un ennemi sans combattre. Enfin, deux ennemis. Et bon, parfois, bah, parfois il court. Même si vous détecte, il continue à courir sur vous. Voilà. Non, moi j'ai volé. Il met comme ça un livre dans cette poche quand même. Ah, il y a comme des grosses poches. Oui. Et go, vous avez un artefact ici. Ça sera plus rapide et ils m'embêteront pas quand j'irai en bas. Les deuxièmes notes ont été récupérées, les troisièmes sont à bas. Ça arrive, ça arrive. C'est rien, c'est rien. Et voilà, on nous a déjà terminé cette mission. Bon, la mission en soi est vraiment ultra simple. On peut dire aussi ce qui est. Et surtout, par le passage où je suis passé, c'est le meilleur des chemins. Bon, après, soyez un peu plus. Si vous êtes plus discret, prenez un peu plus votre temps. Vous montez sur le toit surtout, mais sinon vous êtes comme moi, vous n'avez rien à faire pour vous faire repérer. Bah faites comme j'ai fait. J'oubliais que mon gars n'est pas, ne pouvait pas descendre tout ça une seule fois. Voilà. Comme ça, ils me suivront pas. Et la mission est finie. Bon, j'aime bien que cette mission-là était simple. Oh. Ces observations confirment plusieurs de mes hypothèses. C'est sa manière de vous remercier, de vous être donné tout ce mal. Quittons cette ville, ma chère, tant que nous le pouvons encore. J'aime bien, c'est... Ça a son charme, je trouve, ces robes-là. Oui, j'admets que j'adore les robes de cette époque. Je dis pas que les robes de maintenant sont moches, mais je trouve qu'elles ont leur charme, leur particularité qui font qu'elles sont magnifiques. Un divertissement intéressant. Enfin, j'ai les robes, mais j'ai pareil des tenues des hommes, c'est... différent, on va dire, c'est une autre époque, quoi. C'est... Après, c'est sûr, c'est... là, c'est une histoire de mode, c'est sûr qu'il y a...
Je me suis planté, c'est les deux que je voulais et pas un seul. Bon, après, il faut dire que quelles que soient les époques, il y a toujours eu des habits qui étaient beaux dans toutes les époques. Où peut bien se trouver mon mari ? Madame Lavoisier, que se passe-t-il ? Mon mari et moi, nous apprêtions à faire une expérience sur un gaz délétère, mais il n'est toujours pas revenu de sa promenade. Ce sont tous ces gredins à la solde de Mara qui m'inquiètent. Qui sait ce qui peut leur passer par la tête ? On les croit souvent aux abords du Panthéon. Ne vous en faites pas, je le retrouverai. Madame, bon. Vous laisserez retrouver qu'est-ce qu'a fait monsieur Lavoisier. Pourquoi fait-il ça? J'étais à ta taverne. Oh, je ne fais pas d'affaire avec les gens de votre espèce. Bon, pour 25 000 francs, maintenant je crois qu'on s'en fiche. Hein. 25 000 francs qu'on a 890 000 ou quasiment même 900 000 francs. Pas trop utile quoi. Mais bon. On va continuer. On va aller chercher. Ou bien pu. Attendez. Rassurez-moi qui. Me dites pas qui est à l'intérieur. Moi qui est l'extérieur du Panthéon. Ah va, en quoi la foule, c'est génial. Pas compliqué là, pour s'infiltrer, hein. Enfin pour essayer de. Vous restez dans la foule et vous pouvez facilement rester discret. Hein. Mais bon, c'est le même reproche que je fais. Enfin, quand vous les filmez, c'est. Ouais, quand vous avez beaucoup de contenu à filmer, c'est le reproche que je peux faire, c'est que ces missions là sont longues. Mais bon. D'un côté, ça diversifie aussi les missions qu'on fait. On a des filatures, on a des protections, on a du vol, etc. Ce qui fait que niveau répétitivité, de manière générale, ça va. C'est pas comme dans certains jeux où les seules missions secondaires qu'on a, c'est par exemple, vous êtes dans une arène, vous devez tuer des ennemis. Référence Darksider. Et encore, mission secondaire, n'a pas beaucoup dans Darksider. Après c'est le principe du jeu qui veut aussi ça. Donc en soi j'aimerais bien qu'il arrive vite à sa destination, vite, vite. Sympathique. Royaliste ? Quoi ? Que dites-vous ? Hein ? Allons, calmez-vous donc ! Réponds à mes questions, bon Dieu ! Mais... Tu as l'air d'un royaliste ! Avec tes beaux vêtements et ton... Et on file, c'est ma façon d'aimer. Mine de rien, niveau habits, ils ont quand même fait sacrément fort quand même, pour y refaire. Et ça, mine de rien, ça a pas de prix quand même. Ça sonne livre.
D'après vous, jusqu'où il va aller? On est parti du Panthéon pour information, on a déjà fait la tour au deuxième quartier. On a fait trois quartiers pour cette mission. On a commencé dans un, on a traversé un et là on est dans le troisième. Enfin, on est resté en quart. Le problème c'est que je sais pas de quoi vous parlez. Autant dans l'épisode précédent, j'avais suivi de conversation, autant là. Votre mort me simplifierait la vie. Pensez-y avant que vous dansiez dans de nouvelles pétreries. Famille, non? Un personnage en l'air de rien ou on croira que je suis mêlé. Ça n'a pas été plus simple de lui voler l'objet carrément qu'il y a sur lui. Par contre, voilà, c'est quand elle... Après, voilà, c'est l'histoire. Faire une fuite à tour aussi longue, ça peut se comprendre. Mais étant donné qu'il n'y a aucune conversation, c'est long. Autant dans l'histoire, quand vous filez quelqu'un, il y a une conversation en deux personnages de l'histoire. Ce qui vous évite que ce soit trop long. Je fais référence à Dans un Assassin's Creed. Donc là on vient d'arriver. Espèce de faux sans cervelle. Hors de ma vue. Approche que je t'écorche vite. Il faut devoir recommencer la filature. C'est une amélioration des bombes fumigènes conçues pour les assassins afin de les rendre toxiques. L'un de ces hommes l'a en poche. Je vais la lui reprendre. Allez rassurer votre femme. Antoine Lavoisier. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Voilà. Aussi à savoir qui est dans ce contrôle. C'est le gaz toxique qu'on a en bouteille pour information. Sont courantes d'avoir 5 ans. Peut-être que la boîte est travaillée avec les assassins. Je sais pas. Bon, ça permet d'avoir un casque plus efficace, moi ça m'arrangerait. Mais bon, on va encore devoir le ramener. Que sinon, ça serait pas marrant. Faire une téléportation rapide jusqu'ici, ça nous raccourcira déjà de moitié le trajet. Voilà, une mission qui dure longtemps pour pas grand chose au final. Enfin, pas grand chose. Par exemple, si on aurait filé à personne qui discutait comment ils avaient capturé Lavoisier, tout ça, ça aurait été intéressant.
Ouais, on a pris là, il va nous permettre d'avoir ça. Mais bon, c'est pas grave. On va s'en contenter. Moi, j'espère qu'on n'aura pas encore beaucoup d'autres de missions comme ça, parce que clairement, je... C'est les missions, en fait, que je déteste le plus dans le jeu. Parce que c'est des missions qui sont longues, ennuyantes, et qui apportent pas grand-chose à l'histoire. Autant il y a certaines missions secondaires qui sont intéressantes, notamment, moi, je parle toutes les missions secondaires qu'on a fait avec Napoléon Bonaparte, pour l'instant, moi, je les ai adorées, personnellement. Ou avec ou pour aider la garde nationale, que j'ai trouvé vraiment intéressante. Certes, elles étaient plutôt longues, tout ça. Bon, je vous conseille d'aller voir la vidéo précédente pour ça. Elles étaient longues, fastidieuses à faire, compliquées dans certains cas, mais elles étaient intéressantes. Moi, en tout cas, je les ai trouvées plus intéressantes que celles-ci. Enfin, excepté celles avec les graphes, mais bon, c'est une autre histoire. Une seule mission que j'ai pas apprécié. Après tout, faut bien contenter tout le monde. Alors, une mission parmi tant d'autres, c'est pas grave. Arnaud, quel plaisir de vous voir. Mon bon ami, la formule est-elle en sûreté? Nous savions que vous arrangeriez ça. Vous paraissez distrait. Voilà. Après, ouais, y a plein d'autres missions qu'on peut faire encore. Notamment celle-ci. On va les faire tout de suite. Et la vidéo s'arrêtera sur la fin de la mission suivante. Et il y aura une troisième partie où je ferai les dernières missions. Bon, quitte à ce qu'elle passe une heure, elle fera une heure. Hein. Quand je vous fais un Wolfou, je ne fais pas à moitié. Ça, on doit bien gagner. Au moins toutes les missions ici sont faites. Par contre, ce qui est étonnant en fait, c'est que parfois on a des missions dans des lieux où mettre que j'ai déjà réalisé toutes les missions en fait. Ah, voilà l'homme que j'espérais voir. Bon, personnellement, je m'en fiche. Le prince à Paris. J'ai peine à croire que la crédulité des gens ne cessera jamais de m'étonner. Il ne faut pas croire tout ce qu'on lit. Les Templiers s'étaient emparés du prince comme monnaie d'échange. Mais ils ne les intéressent plus. Ça ne présage rien de bon. Les assassins doivent apprendre ce qu'il sait avant que les Templiers ne le tuent. Il doit quitter Paris à bord d'un bateau. Je vais m'en occuper. Comment te portes-tu, Arnaud? De mémoire, le prince, il va pas être tué, mais il va être dans une famille d'accueil qui va très mal le traiter, et il va justement mourir. Grand Dieu, mais quelle est cette odeur? Sans doute de la merde de... En bas, il s'amuse à se faire la guerre. Mon oncle est... Prince Louis Charles, je présume. Enfin, c'est mon oncle qui vous envoie. Je sers un autre maître. Mais vous restez un serviteur. Reste où tu es. Et bien, qu'attendez-vous? Trouvez-moi donc. À vos ordres. Oh, ça va être chiant. Je n'irai nulle part tant que ces brutes seront en bas. Mon accès. Arrêtez ce chien là. Oh,
d'avant, ils sont morts. Maintenant, tu peux avancer. Oh, ça au moins, c'est déjà fait. Allons-y, partons. C'est moi qui donne les ordres. Oh, ça va être chiant. Oh là là. Vas-y, monte-moi dans ton air supérieur que je te tue. Espèce de prince. Eh bien, il y a d'autres bandits en bas. Hâtez-vous. Il y a d'autres bandits en bas. Si vous vous hâtiez un peu, nous serions déjà dehors. Allez tuer ces hommes. Mais ils sont morts. Votre Majesté. Ce n'est pas trop tôt. Allons-y, votre bateau vous attend. Mais j'ai le mal de mer. Bien entendu. Dépêchez-vous, monsieur le prince. Il y en a d'autres. Vous ne regardez jamais où vous allez? Attendez ici. Nous attend sur la berge. J'espère qu'ils ont des sucreries. J'espère que vous en valez la peine. Exactement. Laissez-moi partir. Je suis une bonne âme, je le jure. Je parlais pas de lui, je parlais du plus petit. Le dernier de. Je sais qu'il y en a un tout. Ils vont avoir un petit prince et celui-ci va être malade. Je sais plus qu'est-ce qu'il va avoir. Malheureusement. Et la famille dans laquelle il va être ne va pas être. La mère des familles va plus ou moins mourir à cause de ça. Enfin, il va mourir. De toute façon, de ce qu'on sait, vu les symptômes qu'il avait, il devait mourir jeune en fait. Et j'ai une mise à jour HP qui s'est affichée sur mon écran. J'espère que vous la voyez pas. J'arriverai entre les deux vidéos. Merci, Arnaud. Mais il y a eu une légère confusion. Il ne s'agit pas du prince. C'est une plaisanterie. Attendez, j'étais le page du prince. J'ai grandi avec lui. Ce que tu sais nous sera quand même utile. Tu n'as plus rien à craindre. Je vois que tout finit bien. Je vous remercie de regarder cette vidéo, en tout cas, quand ça se fait longue. Je vais sûrement, moi, arrêter de filmer là pour aujourd'hui, parce que clairement... J'en ai... Je suis fatigué surtout, ça fait beaucoup de missions quand même que je viens de filmer. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé un grand moment en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois, d'ici à portez-vous bien. À ciao tout le monde.